Bonjour, on se retrouve évidemment pour la présentation de la box Le Boudoir du mois de février. Et c'est vrai que ce mois-ci, cette box me plaît tout particulièrement. J'ai adoré la pensée, l'imaginer, du flyer jusqu'au petit produit à l'intérieur. On est sur... attends, je me trompe pas, il y a deux créations sur mesure spécialement pour la box. Enfin, tout ce que j'aime, vraiment. Et il y en a certaines déjà d'entre vous qui l'ont reçu, qui m'ont fait des retours très positifs. J'ai les petites photos, je publierai de toute façon les photos une fois que tout le monde l'aura reçu. Mais c'est plutôt très prometteur. Donc le thème ce mois-ci, donc pour la box de février, l'irrésistible. Et vous allez me dire si vous trouvez qu'elle est irrésistible. Je commence comme d'habitude par le cadeau de la box gold que je n'avais pas encore révélée. Et ce mois-ci, c'est une marque que vous connaissez, une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré dans une box, notamment pour leurs bracelets hyper originaux. C'est la marque Nawa qui offre à l'un d'entre vous un petit sac. Comme je vous l'avais déjà dit, Nawa, en fait, c'est une marque qui travaille avec un atelier familial qui était sur le point, en fait, de fermer en Inde. Et ils ont fusionné et ils font des pièces magnifiques. Et c'est un savoir-faire ancestral. Je vous montre la pièce, donc la pochette, hein, ma S classique. Je vous montre de plus près donc, le travail, notamment de broderie. Brodé à la main, de fil de soie, des perles en laiton, sequins, perles japonaises, cuir souple intérieur. C'est une chaîne donc en laiton. Et cette pochette coûte 154 euros. Je vous montre l'intérieur un petit peu de plus près. Donc c'est une pièce qui est ravissante, qui va être également parfaite pour l'arrivée du printemps. Et je vous invite évidemment à faire un petit tour sur leur site. Les boucles d'oreilles, ils font forcément des bracelets, de la maroquinerie. Allez voir ça, tout sera mis en barre d'infos. Donc, la box de ce mois-ci, le flyer. J'adore cette illustration. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont la mettre sous cadre. Mettez-moi, si vous mettez sous cadre, si vous mettez en déco comme les fois précédentes, envoyez-moi sur Insta, c'est le plus simple, vos petites photos, vos créations, et je republierai sur le site avec grand plaisir. Donc au dos, bah forcément comme d'habitude, on a tout, le descriptif avec le prix, avec un petit peu les détails. Je commence avec la première pièce qui a été faite spécialement pour la box. Il s'agit de petites bouillottes à... de mini bouillotte. C'est la marque Les Pochettes de Béa. Une petite pochette d'ailleurs avait déjà été faite il y a combien de temps de ça? Il y a peut-être un an de ça. Et elle m'avait recontacté parce qu'elle voulait réitérer l'aventure et elle avait une idée justement de petites bouillottes à intégrer. Donc c'était avec grand plaisir que j'ai accepté de retravailler avec elle. Et donc ces petites bouillottes qui sont déjà premièrement irrésistibles, d'où le thème, hein, regardez. Cette petite merveille. On va avoir trois coloris possibles de tissu. Donc je les ai choisis bien évidemment au préalable. Donc on a le petit nœud, la petite carte de la créatrice. J'espère que vous allez bien voir en fait les petits pois, ils sont dorés. Et c'est un joli bleu marine. Et donc en fait c'est tout simple. Tout est marqué hein, au niveau de l'utilisation bien sûr. C'est une minute maximum et c'est à 800 au niveau du micro-ondes. Et pour que votre bouteille... Voilà c'est ça. Votre bouillotte, donc c'est une minute au micro-ondes, puissance maximum 800, c'est en coton écotex et graines de lin bio. Collection inédite pour la box Le Boudoir, donc la petite bouillotte, hop, elle est en deux temps. Forcément, il y a la petite étiquette de la marque pour réchauffer tes petites mains, pour mettre au niveau du bas du ventre si tu as des douleurs, au niveau des reins, c'est génial. Enfin, au niveau, quand tu as des courbatures, cette bouillotte est, voilà, je vous dis, elle est super jolie. Et en plus, elle est très réconfortante, elle est top. On a également ce modèle qui est vert avec des petites pois, cette fois-ci dorées, super jolie également. Voilà, le petit nœud comme ça doré. Le petit modèle blanc cassé avec des petits pois dorés. Adorable. Voilà, comme ça. Donc le prix de cette bouillotte, même si c'est une création spécialement pour la box, coûte 15 euros dans le commerce. Coûterait 15 euros dans le commerce. Peut-être qu'elle va le mettre hein, sur le site suite à la création. C'est possible. C'est possible. Je sais qu'elle le fait aussi en grand modèle. Vraiment, c'est trop mignon, on est d'accord. Et c'est évidemment conçu et cousu avec amour. Et ça, c'est important. Nous passons, je pioche. Est-ce que c'est... Et vous allez voir, je mettrai à la fin donc tout
les produits entre eux sont à raccord. C'est beau, ça fait une unité de couleur. Donc c'est un highlighter enluminateur. Souvent dans mes vlogs, vous me dites « Oh, j'aime bien ton glow, j'aime bien ton teint, quand tu bouges, enfin la caméra, ça ressort, c'est mignon, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ?» Eh ben c'est ça. C'est un highlighter que je mets et je vais même l'appliquer. Je suis un peu bête parce que je crois que j'en ai mis tout à l'heure quand je me suis maquillée, parce que comme je le mets quasiment, ouais, quand je filme tout le temps, bon, j'ai essayé de l'estomper, mais je vais vous le mettre. Je l'ai marqué, je crois d'ailleurs, que je vous ferai une petite démo dans la vidéo, me semble-t-il. Démonstration de l'application dans ma vidéo YouTube. Voilà, je l'avais marqué. Vous savez, c'est la marque qui m'a d'ailleurs envoyé leur petite palette de fard. Donc c'est une marque évidemment française. Par contre, comme tout le make-up de qualité, c'est fait en Italie. Mais c'est une marque française. Et rappelez-vous, il y a 2 ans de ça, dans une box de Noël, je vous avais glissé également, mais là c'était un blush rose, là donc c'est l'enluminateur. Le boîtier est super joli, donc avec le liseré doré. Voilà, comme ça, on a le miroir. Le Golden Opportunity Skin Light, et à l'intérieur en fait, il y a des agents hyper clean. La poudre illuminatrice aux pigments et perles ultra fines fusionne avec votre peau et illumine votre teint pour un effet skin-like. Votre peau en mieux. C'est enrichi en super ingrédients multiples vertus pour votre peau, tels que le niacinamide, huile de ricin et huile de jojoba. C'est formulé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Hop. Alors, moi, voilà comment je l'applique. Normalement, je le fais au doigt. Mais là, je vais vous le mettre. Vous pouvez le faire avec un pinceau. Il y a des pinceaux spécifiques pour l'highlight. Moi, je n'utilise pas, mais bon. J'aime bien le mettre là. Donc, ça attire la lumière. Au niveau du bout, comme ça, du nez. Et aussi, alors, je vais enlever mes lunettes. Ici. Donc là, c'est pour encore plus attraper la lumière. Là, toute cette zone. Un petit peu ici. Là, vraiment, je pousse un peu pour la caméra, pour que vous puissiez quand même voir. Ah, vous le voyez. Ah, si, on le voit net, net, net. Voici. Je trouvais que c'était sympa, d'autant plus que j'ai eu pas mal de fois la remarque et ça reste un très bel objet. C'est donc un highlighter qui coûte 21 €. Pareil, j'attends vos petits retours si vous l'utilisez. N'hésitez pas à me faire aussi des petites photos si ça vous dit. Nous passons évidemment au bijou. Bijou qui a été cette fois-ci révélé. Donc vous savez, sur mon site, il y a une rubrique à venir, c'est un spoiler. Parfois je publie, parfois je publie pas. Je laisse vraiment la surprise totale. Mais là, j'ai eu envie, j'ai surtout eu pas mal de demandes. Donc il s'agit d'une bague, et une bague vraiment adorable. Moi qui suis même pas trop bague, j'adore la mettre. Elle est fine, elle est belle. Et vous allez voir, pour la box, justement, la beauté de l'objet au niveau de la présentation. Grelot d'amour by Désinvolte. Est-ce que c'est mignon? Voilà, très bien présenté avec le petit nœud. Déjà, cette bague elle coûte 35 €. C'est une labradorite, la petite pierre donc semi-précieuse au centre. C'est une bague qui est donc forcément réglable en gold field et en plaqué or. Ce bijou a été imaginé et réalisé donc dans un atelier parisien. Ça résiste à l'eau et c'est adapté à la vie quotidienne. Donc, déjà, je vais la porter. Et au niveau en fait du réglage, c'est très pratique. Quoi. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est jolie! Elle est très fine, j'espère que vous allez bien vous rendre compte. Je vais vous la montrer de plus près, quand même, que ça ressorte. Et chaque pierre, forcément, est différente. Le bleu ressort différemment d'une pièce à l'autre. Regardez, là, par exemple, j'en ai une deuxième. Et rien que là, je crois que l'éclat est encore différent. En plus, elle ne gêne pas. Même là, au niveau de l'attache, c'est fait d'une telle façon que tu ne le sens pas. Tu ne le sens pas. Toutes les personnes de mon entourage donc, qui ont vu en amont un peu les créations se faire m'ont dit « Oh, j'aime trop, j'en veux une, j'adore. » Je passe évidemment à la gourmandise. Nougat Diane de Poitiers. Donc forcément, c'est le nougat Madine Montélimar, le vrai nougat. Présentation sublime. Et j'ai sélectionné, alors la marque m'a envoyé, que je ne sais pas de bêtises, 6 ou 7 nougats différents, donc avec des saveurs différentes. Au chocolat, avec de la figue, avec ceci, avec cela. Mais exceptionnel, j'avais tellement de mal à choisir que j'ai dit, bah écoutez, vous savez quoi, vous mettez votre, pas best-seller, mais celui en fait le plus traditionnel, votre nougat référence. Et ils m'ont dit, bah c'est celui-là, forcément. C'est le nougat de Montélimar qui est tendre. Je reprends ma petite fiche
pour ne pas me tromper. Donc ce nougat déjà il coûte 4,05€. Alors c'est un mélange harmonieux à l'intérieur de miel de Provence. Nous avons des pistaches, on les voyait bien, des petites amandes et vanille. Et donc le nougat blanc est fabriqué, parce qu'à chaque fois je parle avant d'intégrer, je suis en relation, je commande pas juste comme ça en fait, il y a une expérience derrière. Derrière, je m'entretiens avec les responsables, ils m'expliquent un petit peu leur marque, leur concept, leur concept. Voilà, j'aime bien connaître et savoir les choses pour après déjà vous expliquer. Et donc c'est ce nougat blanc qui est fabriqué selon la méthode ancestrale de cuisson au chaudron. Voilà, donc ça tourne, ça tourne. Ça doit sentir tellement bon dans les usines. Et c'est un poids net qui est de 100 grammes. Et comme je vous disais, c'est un nougat qui est fabriqué à Montélimar. Et inutile de vous dire que ce nougat est excellent. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'harmonie générale de cette box de février, l'irrésistible. Et forcément, eh bien, nous sommes passés depuis le 11 à la box de mars. Je vous avais dit, donc le thème, c'est tout ce qui brille. Vous allez encore en avoir plein les yeux. C'est une box à ne pas louper. C'est une box que vous pouvez commander jusqu'au 10 mars. Inclus. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo de présentation vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et bah, on se retrouve très vite, peut-être demain même, c'est possible, pour un nouveau vlog. Je vous embrasse, ciao.